parler sur quelque chose un peu particulier de ce que c'est le verbe. On dit qu'il y avait le néant et puis le verbe était venu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Nous pouvons nous manifester à travers le verbe, à travers ce que nous avons emmagasiné, toute la mémoire que nous avons, à travers tout ce que nous avons vécu, nous donne le moyen de réitérer ce que nous avons emmagasiné. Et ce que nous avons emmagasiné, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons appris de la création, de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit. Et comment on a fait ça? On a appris. On a appris. C'est la connaissance que nous avons. Et cette connaissance, nous avons la capacité de le faire émerger à travers nos mots pour dire ce qu'il y a. Et comment ça se passe? Ce sont nos pensées. Nos pensées font ça. Elles donnent une interprétation à tout ce qui se vit, à tout ce qui se joue, à tout ce qu'il y a sur la planète. On dit ça c'est un arbre, on dit ça c'est une caméra, on dit ça c'est le ciel, ça c'est un homme, ça c'est une femme. On a pu nommer des millions de choses sur la planète avec des mots. Donc le mot est devenu essentiel. Puisqu'il n'y avait rien, on ne pouvait pas décrire ce qui est, ce que rien est, eh bien, on a pu mettre des mots sur les choses, puisqu'on ne peut pas mettre des mots sur rien. Rien n'existe pas, rien ne peut pas être divulgué par la parole, par le mot. Pourtant, c'est de rien que vient le mot. C'est de rien qui a été, ce rien qui a été manifesté en choses. Eh bien, on peut manifester le regard, le mot, à travers les choses que nous voyons. Mais tout ce que nous voyons, tout ce que nous divulguons à nous-mêmes, tout ce qui se voit, tout ce qui se joue, c'est quelque chose qui, quelque part, n'est pas là. C'est déjà passé, ça a été manifester et ça se joue ça passe dans le temps et tout ça ce sont nos mots, nos idées, nos espoirs, nos buts, nos envies, tout ça ce sont nos mots qui passent et avec le mot on conditionne l'esprit pour le faire savoir qu'est-ce qu'il y a, comment les choses sont, comment les choses devraient être, comment les choses auraient dû être. Nos esprits sont formatés, conditionnés à apprendre que tout doit se faire en conclusion. On conclut donc que ça c'est ça, ça c'est ça. Et tout ça est un entendement, une façon de voir, une façon de comprendre, une façon que nous avons instauré une connaissance en soi. Et cette connaissance diffère de tous les êtres humains sur la Terre.
Parce que toi, tu as vécu ta vie d'une certaine manière et tu as appris d'une certaine manière les choses. Donc tu exprimes la vie que tu as d'une certaine manière. Et quand quelqu'un d'autre vient et exprime la vie d'une autre manière, tu te trouves un peu confus parce que ce n'est pas ce que tu sais. Donc, tu refuses. Tu n'arrives pas à comprendre que c'est la même chose, mais tu trouves que tu es mieux peut-être, que tu es mieux logé, que tu connais mieux, que tu as une façon de faire qui ne va pas avec ce que l'autre fait. Donc il y a critique, il y a séparation. Et nous les hommes, à cause du mot, à cause du verbe, nous nous séparons les uns les autres. Nous nous conditionnons à voir les choses d'une certaine manière, mais pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est la manifestation de tout ce qu'il y a eu de tous les temps de l'histoire de la race humaine. C'est là, et nous interprétons tout ça avec le mot. Et le mot diverge. Parce que celui qui est là-bas, il va le dire d'une manière que toi, tu ne connais pas. Et tu vas dire, mais il n'est pas pareil que moi. Non. Et c'est là tout, l'art de vivre ensemble, c'est de pouvoir comprendre que nous sommes tous issus de la même graine, de la même chose, c'est-à-dire du rien, où avant il n'y avait rien. Mais le rien a manifesté la chose, et la chose, elle est fragmenté en millions, en 7 millions, 7 milliards de petits êtres humains. Et non seulement ça, mais tout ce qui concerne aussi la biodiversité, les arbres, les oiseaux, les animaux, tout ça, ça a été manifesté de la sorte. Donc, voyons que nous sommes tous issus de la même chose. Et rester là, sans couler avec le flot de ce qui a été, manifesté. Restons là, à la source. Quand tu restes à la source, toutes les divergences qui existent sur la planète ne sont pas reconnues. Elles sont extampées. Elles sont vues comme une illusion. Elles sont vues comme quelque chose qui est utile pour se différencier, pour se donner un nom à chacun, pour pouvoir être appelé. Mais ce n'est pas quelque chose qui est différent. Donc, si on peut voir ça et passer au-dessus de toutes les différences que nous voyons sur la planète, alors, si nous restons à cette source et nous regardons la vie comme ça, avec cet œil de la source, nous voyons justement tout ce qu'il y a au-delà de toute la différence. Aujourd'hui, il est difficile de vivre comme ça, de vivre sans critique, sans s'en prendre à la différence des uns et des autres. Il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont moins gentils. Il y a le coupable, il y a la victime, il y a le bourreau, il y a toutes sortes de gens sur la planète. Il y a même le criminel. Mais tout ça, c'est manifesté à partir du rien. Et l'œil du rien, celui qui reste à la source du rien, alors lui, il sait harmoniser les choses pour remettre de l'ordre. Et c'est là tout l'art de vivre. Si tu veux ne jamais critiquer, parce que si tu critiques, tu perpétues la chose, mais si tu ne critiques pas, tu as l'art de mettre l'ordre dans la cohue de la différence. Et c'est là
une vie où on est créateur. On est créateur, on soutient la créativité de ce qui vient de la source, sans que cela se dilue dans la fragmentation, dans la différence, dans la division. Et cette division, on la connaît tous. Lorsqu'on en fait partie, l'être humain, qui était rien, a connu le Verbe. Et le Verbe nous a divisés. Mais ce même Verbe, quand il reprend la raison, l'esprit prend la raison, l'esprit regarde, l'esprit voit toute la confusion, l'esprit regarde le désordre qui s'est produit, ce même Verbe s'ajuste pour avoir le bon mot, la bonne expression qui fait en sorte que cette expression rassemble ce qui est divisé. Et nous avons tous cette capacité. Sauf que nous sommes pris nous-mêmes à partie dans des divisions que nous croyons être une réalité. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes un. Nous sommes depuis l'éternité la source. Et la source coule. Elle a toujours coulé. Mais la source reste là. La pureté. Le rien. C'est la seule chose qui reste immuable. Et c'est ce que tu es. Tu es immuable.